tactique. Bien sûr, je reviens encore sur mes inspirations sur tout ça. Donc, ce sera inspiré, bien sûr, de Raphaël Agueil, d'un exercice qu'il a pu faire dans ses séminaires, dans ses stages, tout ça. Mais que souvent, les gens peuvent voir, ceux qui n'ont pas vécu la chose, peuvent ne pas comprendre. Mais là, la vidéo va se nommer « Comment réagir ?» Enfin, je vais trouver un nom, mais de toute façon, c'est « Comment réagir quand on est sonné ?» Parce que souvent, on peut se prendre un mawashi au niveau de la mâchoire. Souvent, c'est le point des chaos. Souvent, on est étourdi, on ne sait pas comment, on est déstabilisé mentalement. Moi, j'ai un petit exercice là, que je vais vous démontrer aujourd'hui. C'est comment se mettre dans cette situation-là. Je suis tout seul, je n'ai pas de partenaire. Mais comment trouver une situation, comment s'adapter à une situation comme ça, tout en étant étourdi, sonné, et pouvoir continuer à donner des apémies, continuer à aller au charbon comme on dit. Cet exercice, c'est tout simplement tourner sur soi-même, comme si on voulait tourner, comme si on tournait sur soi-même, afin d'être étourdi. Et se mettre en situation. Bon après, une fois qu'on est bien étourdi, qu'on sent qu'on est étourdi, venir lâcher des maïté gaku, des trucs dans le vide. Soit maïté gaku, mawashi, dans le vide. C'est pour justement, avec la sensation d'être étourdi, pouvoir continuer à aller au charbon. La manière de tourner, on va tourner comme ceci, ici, mais plus vite, hein, bien sûr, plus vite, et une fois que ça arrive, pam, pam, plus de vitesse, boum, on lâche pas. Donc, je m'échauffe un petit peu, tac, donc ici, à vitesse réelle, et boum. On est tourné, pam, 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 pam. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Donc, bien sûr, il faut tourner le plus longtemps possible, hein. Là, c'était pour juste vous démontrer. Tourner le plus longtemps possible. Je suis encore un peu étourdi là, mais c'est vraiment pour sentir cet étourdement, être étourdi pour pouvoir après aller au charbon malgré ça, pour arriver à se dépasser aussi mentalement. Voilà. Mais ça reste similaire à un coup de pied qu'on peut prendre dans la mâchoire, un coup qui nous a un peu boum, et pouvoir continuer quand même mentalement et aller au charbon. Abonne-toi si tu as aimé, lâche un like, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, c'était une inspiration de Raphaël Agueil. Mais bien sûr, le thème était déjà sur YouTube. Hein. On a pu, si vous regardez ces séminaires à New York, ben moi, je regarde beaucoup ces stages. Ça m'apprend aussi beaucoup parce que je suis quelqu'un que j'observe beaucoup. Donc, ces séminaires à New York, il y a une de ces exercices-là qu'on voit. Souvent, les gens comme ça, comme vous, mes internautes, si vous allez, comme on dit, grenouiller un peu dans ces stages, vous n'allez pas forcément tout comprendre. Mais moi, je le comprends parce qu'on rappelle la guerre. J'ai fait un stage avec lui, j'ai vécu la chose. Il ne l'a pas fait faire quand il est venu sur Bordeaux, mais il nous a, après, avec plein de réflexions, j'ai pu comprendre ce que c'était.